nous avons utilisé un banc d'essai pour générer de la fumée de cigarette. Oui, la cigarette est allumée. Et puis, une pompe seringue va simuler une bouffée de cigarette. Et la fumée va d'abord passer à travers un filtre qui va piéger les particules et la nicotine. Et puis, les autres substances comme le monoxyde de carbone vont être redirigées vers une cellule de mesure pour pouvoir être quantifiées. Nous voyons ici un filtre neuf et un filtre sur lequel trois cigarettes ont été fumées. Il y a trois méthodes d'analyse. D'abord, la teneur en particules est analysée en pesant le filtre avant et après le fumage. La nicotine est analysée en trempant le filtre dans un solvant et puis en injectant ce solvant dans notre chromatographe gazeux. Et pour le monoxyde de carbone, c'est la fumée est dirigée vers une cellule à gaz et puis l'analyse est faite par infrarouge.